الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لونج الله le Seigneur des mondes paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis qu'Allah nous fasse de ces gens bienvenue sur notre chaîne comprendre l'islam chaîne qui vous permet de lire convenablement le Coran chaîne qui vous permet de comprendre le tawhid qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associer avec bien entendu la meilleure compréhension qui est la compréhension de nos salafus salih bienvenue dans ce cours de at-tajwid wal quran avec le quran wa at-tajwid nous allons commencer par le cours de at-tajwid et nous sommes avec notre document tuhfatul atfal édité par notre cher al-imam Suleiman Al-Jamzouri Rahimahullahu Ta'ala Nous avons parlé du Cheikh dans le cours passé et aujourd'hui nous allons parler du document Le titre du document, c'est-à-dire son nom c'est Tuhfatul Atfal et ce sont des expressions arabes qui veut dire le trésor des enfants le trésor des enfants Le mot tuhfa, ça veut dire un objet précieux, un trésor, un chef d'œuvre. Donc tuhfa, c'est quelque chose qui est très précieux. C'est pourquoi on dit mathaf, qui veut dire musée. Musée, c'est là où est gardé, où sont gardés les objets précieux du pays. Donc, il s'appelle en arabe mathaf. Donc, le mot tuhfa, ça veut dire un cadeau précieux, un objet précieux, un chef d'œuvre. Et cela fait référence à l'importance du sujet traité, qui est le tajwid, qui nous permet ici de lire convenablement le Coran. Tout ce qui nous permet de lire convenablement le Coran ou de le comprendre devient précieux. Devient un trésor. Atfal, c'est jam'u tifl. Atfal, c'est le pluriel de tifl. Et tifl, ça veut dire l'enfant. Donc, atfal, les enfants. Tuhfatul atfal, le trésor des enfants. Ici, enfant peut être dans le sens propre, c'est-à-dire l'enfant côté âge, mais ça peut être aussi enfant côté débutant. Parce que c'est lui qui vient juste de commencer à apprendre le tajwid, donc il n'est pas mûr, il n'est pas mature dans cette science, il est considéré comme un enfant. Donc, dans l'un ou l'autre cas, ça peut aller. Tuhfatul atfal, le trésor des enfants, soit des enfants côté âge, soit des enfants côté science, c'est-à-dire côté débutant. Donc, ce sont des débutants dans cette science. Et le cheikh, il va commencer par Al-Muqaddima, qui est l'introduction. L'introduction, il a commencé par Bismillahirrahmanirrahim, comme d'ailleurs tous les savants. Et comme d'ailleurs cela est recommandé, il faut toujours commencer tes activités par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dire Bismillah. Donc par le nom d'Allah, il a commencé ses documents. Ensuite, il va dire Yaqulu Raji Rahmatil Ghafouri. دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ce sont là cinq vers. Je rappelle que ce document, c'est un poème. Donc, c'est en forme de vers qu'il a fait ce document. Donc, il va dire, Yaqulu, on va ici traduire les mots. Yaqulu est en train de dire. Yaqulu ici, c'est le verbe qala
qui est conjugué au présent. Donc, il est en train de dire Yaqulu raji, mais le sujet est devant. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dawman Suleymanu. Suleyman qui espère la miséricorde du pardonneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui d'ailleurs pardonne toujours, c'est-à-dire qui est toujours le pardonneur, qui pardonne très souvent. Suleyman est en train de dire, Suleyman, Yaqulu Suleyman, Suleyman est en train de dire, Suleyman qui espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Huwa al-Jamzuri, le Jamzuri, et qui s'y fait référence à cette ville qu'on appelle al-Jamzur, on a parlé de ça au niveau de sa biographie. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit Alhamdulillah, toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Musalliyan ala Muhammad. Que la prière aussi soit sur Muhammad. Wa alihi, sur sa famille. Wa mantala, et sur tous ceux qui ont accepté de les suivre. Et tous ceux qui viennent après, tous ceux qui les suivent. Tous ceux qui suivent le prophète et ses compagnons. Il dit wa ba'adu, après ceci, et en effet, hadha nadhmu, ce poème, est édité l'il mouridi pour celui qui veut comprendre finouni les règles de Noun Asakina. Donc cette lettre Noun qui porte Sukun Watanwin et le Tanwin aussi c'est une Noun mais écrite d'une autre manière que nous allons voir inshallah dans nos prochains cours. Walmudud. Ensuite, les prolongations. Les prolongations. Ou les allongements. Donc, il a cité ces trois règles, ou ces deux règles, juste pour attirer l'attention de l'étudiant. Sinon, ce n'est pas seulement ces deux qu'il a traités dans le document. Il a traité plusieurs. Mais il a juste ciblé ces deux pour leur importance. Donc, il dit « J'ai fait ce document ». J'ai fait ce poème pour celui qui veut comprendre, pour celui qui veut apprendre les règles de An-Nunu Sakin, de At-Tanwin et les prolongations, les allongements, les Moudoud. Ensuite, il dit Samaytuhu, je l'ai nommé, c'est-à-dire le document, Bitohfat al-Atfal, par ce nom, donc le trésor des enfants, An-Sheikhina, là c'est très important. En Sheikhina, science que j'ai apprise. En Sheikhina, de notre cher Al-Mihi, cher Nuruddin Al-Mihi, cher Nuruddin Al-Mihi, on a parlé du cher, qui est d'ailleurs l'un des chers de notre cher. Donc, il a reconnu, ce qui est très important, donc une reconnaissance envers cette science qu'il a apprise d'un cheikh. Donc, il dit en cheikhina, que j'ai pris de mon cheikh al-mihi, le mihi, c'est-à-dire nisbatan il al-mihi, en faisant référence à cette ville du cheikh qu'on appelle al-mihi. Il dit zil kamal. Azil Kamal, qui est d'un bon caractère, qui est d'une grande science. Ici, Azil Kamal, il y a certains savants qui disent qu'il a exagéré sur son cher, mais il y a d'autres qui disent non, c'est pas, c'est-à-dire le fait d'être parfait, parce que ici, Azil Kamal, donc le parfait. Mais ici, nous savons que les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits.
Donc, il ne s'agit pas de cette perfection. Non. Dhul Kamal, parce que il a une grande science, il a un bon comportement. Donc, ce que nous devons prendre pour le cheikh, ceci est très important. On ne peut pas accepter, et on ne peut pas comprendre que le cheikh veut dire que son cheikh est parfait, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Al-Kamalu lillahi wahda. Al-Kamalu lillahi wahda. Il veut juste dire que son cheikh était un grand savant, était un homme de bon caractère. Ensuite, il dit Arju bihi, j'espère, il a donc espéré, j'espère que ce document sera bénéfique pour les étudiants. Arju bihi ayyan fa'atul laba. J'espère aussi avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que mon œuvre sera agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, ça dénote la courtoisie du cheikh et la crainte du cheikh. Il est en train d'éditer un document, alhamdoulilah, qui a eu du al-qaboul, qui est agréé, qui a été accepté. La preuve en est que ce document est lu sur toute la planète, partout où tu vas. En tout cas, pour celui qui lit le Coran, il va parler de Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah. Donc, il dit, Arju bihi, j'espère que ce document sera utile, sera bénéfique pour les étudiants. Arju bihi ayyan fa'atul laba. Et wal ajra, j'espère aussi avoir la récompense. Wal kaboul, et l'agrément, l'acceptation, qu'Allah accepte ce que j'ai fait. Wal thawaba, et aussi la récompense. Donc, bref, le cheikh, juste, il l'a fait, il a lu Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce qu'on appelle une élogie sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sur les pieux successeurs. Ensuite, il a présenté de façon succincte les sujets abordés. Il a donc parlé des règles de la lettre Noun, avec Sukun, Noun Sakina, il a parlé du Tanwin, il a parlé des Moudoud, qui sont les allongements. Ensuite, il continue en présentant le nom de son poème, comme on l'a vu, et cite en référence son professeur, ça c'est une reconnaissance, qui est Cheikh Nuruddin Al-Mihi. Il finit en priant pour que son travail soit bénéfique aux étudiants, pour qu'ils soient agréés, pour qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le comportement du savant. C'est ça le comportement de At-Talib aussi, de l'étudiant, de l'apprenant. Il faut être courtois, il faut reconnaître les bienfaits de tes chers, parce que c'est eux qui t'ont enseigné, il ne faut pas les oublier. Et donc, ce sont là quelques points cités par le cheikh dans cette introduction. Inch'Allah, nous allons dans le cours prochain voir les règles de Anunu Sakina wa Tanwin. Ne quittez surtout pas, nous marquons la pause pour revenir juste après et lire Inch'Allah la sourate Al-Falaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours. Et nous allons, comme on l'a dit avant la pause, nous allons lire la sourate Al-Falaq aujourd'hui, inshallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
Voilà. Revenir juste après pour parler un peu de quelques règles de At-Tajwid qui sont dans cette sourate. Au niveau de Qul, la lettre Qaf porte Dhamma. Donc, nous devons allonger les lèvres, donc Qu, mais les ramener au niveau de l'âme. Donc, ne pas dire Qul, ne pas maintenir les lèvres avec la position de Dhamma. Qul, ouais. Plutôt Qul, parce que l'âme porte Sukun. Sukun, il faudrait que les lèvres soient, soient dans leur position initiale. Donc, Qul, A, O. Là, il y a Hamza et Aïn. Hamza et Aïn. Hamza sort du fond de la gorge et Aïn sort au niveau du milieu. Donc, pas même point d'articulation. C'est pourquoi on ne doit pas dire Qul, A, O. Et non, Qul, A, O. Non. Il faut faire la différence entre A et O. A, O. Qul, A, O, Zu. Qul, A, O, Zu, Bi, Rabbil, Falaqo. La lettre Ra dans Hafs, lorsqu'elle porte Fatha, elle est lue de façon emphatique. Donc, bitafrim, ro, et non, ra. Qul a'udhu bi rabbil falaqo. Falaqo, la lettre qaf fait partie des lettres de Al-Qalqala. Donc, les lettres, parmi les cinq lettres de Al-Qalqala. Donc, il faudrait que le point d'articulation, c'est-à-dire, se joigne et s'éloigne. Donc, il ne faut pas maintenir. Il ne faut pas dire falak. Mais plutôt falako, falako, falako. C'est ce qu'on appelle al-qalqala. Et ici, c'est al-qalqala al-kubra. Min sharri. Ici, nous, on vient avant Chine. Nous, on a sakina. Voilà, nous avons parlé de ça dans l'introduction de Tohfa. Nous, on a sakina ici. C'est ce nous qui porte juste le point. Donc, soit le sukun, il est là. C'est-à-dire, il est. Soit il apparaît, ça c'est lorsque c'est idhar, soit il n'apparaît pas. Donc dans l'un ou l'autre cas, c'est nun asakina, mais la règle diffère. Si la lettre shin, lorsque la lettre shin vient après nun, c'est qu'on appelle al-ikhfa, qui est la dissimulation. Donc il faudrait que la lettre nun soit dissimulée. Et pas de shadda. Donc pas de shadda. On ne doit pas accentuer, on ne doit pas mettre de l'accent sur la lettre anun, mais il faut maintenir la nasilation ou le nasilement qui est ici à l'ghunna. Donc, min sharri. Maintenir la langue posée et non soulevée. Min sharri. Sharri, ici la lettre ra porte kasra, donc elle est lue de façon légère. Bitarqiq. Min sharri ma khalaqa. Ici la lettre lam est entre deux lettres emphatiques, kha et qa. Donc, faire beaucoup attention pour ne pas que la lettre lam soit aussi emphatique. Donc, on ne dit pas kholo, kholoko, mais plutôt kholako. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba. Au niveau de ghasiqin, voilà ce qu'on appelle at-tanwin, que nous avons vu dans l'intro. Donc, ghasiqin, ici, la lettre qaf porte tanwin. Tanwin, ce sont les deux voyelles que nous voyons en bas de Al-Qaf. Lorsque ces deux voyelles sont au même niveau, donc il n'y a pas de décalage, on ne doit pas faire ce qu'on appelle la dissimulation, hein? On doit faire ce qu'on appelle Al-Idhar, qui est le fait de lire distinctement les lettres, que nous allons voir, Inch'Allah, avec détail dans les cours de Nun Sakina wa Tanwin. Donc, il faut dire Ghasiqin, Qin. Donc, il faut faire apparaître la lettre Nun. Ghasiqin, Ida, Wa, Qo, Ba. Ba aussi fait partie des lettres de Al-Qalqala. Donc, il faudrait que les deux lèvres, c'est-à-dire, se joignent et s'éloignent. Wa, Qo, Ba. Il ne faut pas les maintenir. Wa, Qo, Ba. Mais plutôt waqab. Wa min sharrin nafathat. Nun huna mushaddada. Donc la lettre nun au niveau de an-nafathat porte shadda. Donc lorsque la nun porte shadda, il faut faire ce qu'on appelle al-ghunna. Al-ghunna qui est
c'est-à-dire cette voix qui sort au niveau du nez. Wa min sharri nafathati, qui est de deux mouvements. Wa min sharri nafathati fil 'uqadi, dal aussi fait partie des lettres de al-qalqala, donc même chose. Il faudrait que les deux points d'articulation se joignent, ensuite s'éloignent. Wa min sharri hasidin idha hasada. Hasidin, c'est la même règle que wasiqin, donc c'est l'idhar. Il faudrait que la lettre noun qui est dans hasidin, hasidin qui n'apparaît pas ici, c'est-à-dire qui n'apparaît pas à l'écrit, mais qui apparaît dans la voix, donc à travers le son, hasidin, hasidin, il faudrait que cette noun apparaisse ici, et il ne faut pas faire ce qu'on appelle de al-runna azaida, que nous allons voir, inshallah, en détail. Wa min sharri hasidin idha hasada. Idha hasada. Donc, la lettre edal aussi porte fatha, mais qui est transformée en sukun à cause de l'arrêt. Donc, ce sont là quelques règles, de façon très résumée, que nous avons pu vous offrir, inshallah. Et barakallahu fikum, qu'Allah fasse que nous comprenions ces cours, qu'Allah nous fasse des gens qui lisent le Coran convenablement, comme il a été révélé. Barakallahu fikum jamian. Ila darsin qadimi, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.